Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans la petite vidéo suite des petites pochettes que j'ai fait pour Halloween. Donc, je crois qu'on a fait celle-là, il me semble, en tuto ensemble. Et du coup, j'en ai fait trois. J'en ai fait trois, plus un tout petit Happy Mail. Donc, les trois, c'est les mêmes. Enfin, la déco est différente, vous voyez. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que là, il y a un tag pour écrire le petit mot pour la personne, parce que je ne sais pas encore à qui je l'envoie. Et là, j'ai un tag avec des petites... comment ça s'appelle? Des petites décos, enfin des petits embellissements. Donc là, j'ai fait deux tickets et un petit... comme ça. Voilà. Et à chaque fois, j'ai mis un petit ruban. Et je trouve que c'est mignon à envoyer dans une petite enveloppe. Donc là, c'est pour le message. Là, c'est pareil. Hein, c'est des petits... Hop, je crois que celui-là, on l'a fait ensemble. Voilà. Là. Celui-là. Donc là, c'est pour le mot. Et là. Voilà. Donc c'est vraiment une petite vidéo rapide. Donc là, il y a le mot, tout, les ATC. Donc là, ATC, ATC, ATC. Donc voilà, ça, c'est prêt à partir. Et pour celui-là, donc celui-là, j'ai fait un peu plus gros, histoire de. Donc là, c'est du ruban que j'avais acheté sur Shein. Je le trouve trop beau, il fait des beaux nœuds. J'aime beaucoup. Et à l'origine, je voulais faire une déco là, et en fait, non. Bah, je me suis dit non, le nœud, le papier parle de lui-même. Donc voilà, tout simple. Voilà, il s'ouvre. Comme ça, schlac, schlac. Voilà, il est tout simple, ça fait une petite mini loaded. Ouais. Et j'ai pris par rapport à la taille de mes sachets d'Halloween que j'avais. Donc voilà, j'ai fait par rapport à cette taille-là en fait. Donc là, j'ai fait un nœud. Alors vous n'allez pas bien voir avec le sachet d'Halloween. J'ai fait une petite bande comme ça. Donc la plupart des choses, c'est des restes, entre guillemets. Voilà, c'est ou des décos qu'on m'a donné. Enfin voilà, c'est beaucoup de récup et toutes les choses de la collection. Donc là, c'est un petit... Voilà, une petite déco, un petit nœud. Là, j'ai fait un petit... je sais pas comment ça s'appelle. Et la banderole, enfin je sais pas comment on appelle ça. Voilà. Donc ça va dans cette pochette là. Là, c'est mon ATC que j'avais faite qui ira devant. Et là, j'ai fait, c'est les tickets qu'on a fait ensemble. Donc bon, je les ressors pas. Vous les voyez pas bien dans le sachet Halloween. C'est des sachets comme ça que je vais me racheter. Je les trouve plus jolis, ceux-là. En toile d'araignée, je les aime bien. Donc ceux-là, il faudra que je me rachète. Et la taille est pas mal en fait. Et donc là, c'est les petits sachets, les petits tickets qu'on a fait ensemble. Voilà, que j'ai mis là. Et là, ça. Voilà, et là, il fallait une petite carte pour aller avec. Donc j'ai fait une carte avec ma déco de fleurs, alors qui n'a rien à voir avec Halloween. Mais c'est pas grave, j'avais envie. Voilà, bon, j'ai pas mis le mot encore, parce que je ne sais pas à qui je l'envoie. J'ai une petite idée, mais je ne sais pas encore, je ne suis pas sûre. Donc je vais tout préparer aujourd'hui, et ça partira au courrier, sûrement... sûrement pas le premier, enfin le 31 du coup. Je pense pas, je verrai. Enfin, en tout cas, ça partira au courrier, ils l'auront après Halloween, mais c'est pas grave. C'est histoire de. Donc voilà pour mes petites créations. Et ce ruban-là, je l'adore. Vraiment, je le reprendrai en plusieurs couleurs. Je le trouve trop beau. Les nœuds sont faciles à faire. Et vraiment bien. Il les rend super bien, je trouve. Voilà. Et ben écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée et puis bon Halloween. Allez, au revoir.